Isabelle, parlant de Lanaudière, on s'en va à Chersey parce que des routes ont été inondées, un barrage a cédé également. Annick, tu es sur place. C'est quoi les derniers développements, là? On vient tout juste d'arriver, là, Simon, et ce qu'on me dit, c'est que dans les 30 dernières heures, on a reçu quand même plus de 125 mm d'eau. Donc, on comprend qu'il y a plusieurs rues donc, qui ont été inondées. Vous l'avez dit aussi, un barrage qui a cédé. Et pour en parler avec nous, eh bien, on a le directeur général de la ville, Marc-André Plante. Monsieur Plante, merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, on aimerait savoir, faites-nous un état de la situation là, ce matin. Bien, ce matin, à Chersey, on a environ entre 10 et 12 sites là, où on a des routes qui sont soit qui ont cédé ou qui sont lourdement endommagées, ce qui amène évidemment la municipalité à intervenir rapidement. Donc, et avec le début de la journée, là, on reçoit de plus en plus d'appels de citoyens qui nous signifient certains enjeux. Alors, depuis hier soir, là, on a tout près d'une quarantaine d'employés qui œuvrent sur l'ensemble du territoire pour limiter les dégâts et être en aide auprès des citoyens. Il y a des citoyens, justement, là, qui ne peuvent pas sortir de chez eux. En ce moment, on parle de combien de personnes qui sont enclavées? On parle de quelques centaines de citoyens, que ce soit au lac Clair-Moustillé, le chemin du lac Lane ou de la rue Morgane. Donc, c'est souvent des villégiateurs, donc beaucoup de chalets locatifs. Donc, on demande aux gens, là, d'abord, de prendre leur temps ce matin. Tout au long de la nuit, là, on a travaillé avec nos équipes de la voirie à restaurer ces liens routiers, permettre aux gens de circuler au courant de la journée. Évidemment, notre grande préoccupation aujourd'hui, là, c'est qu'avec les précipitations qui se poursuivent, c'est de voir comment, par exemple, la rivière Waro va se contenir, mais surtout s'assurer là, que l'ensemble des barrages dans les bassins versants du secteur Grande-Vallée là, vont se comporter et éviter les inondations. Justement, comment on va gérer la situation au cours des prochaines heures? Parce qu'on voit, là, ça continue de tomber. Bien, d'abord, ce qui nous inquiète, c'est surtout qu'il y ait des dommages sur les propriétés, qu'on ait des citoyens qui soient enclavés. Mais nos équipes, là, actuellement, sont vraiment sur le terrain à colmater les situations qui pourraient s'avérer problématiques. Je vous dirais là, que c'est vraiment dans les prochaines heures là, qu'on va être en mesure là, de voir si des problématiques plus importantes. C'est pour cette raison qu'on invite la population, d'abord, à limiter leurs déplacements, à signifier à la municipalité par courriel, photo, l'ensemble des informations qu'ils découvrent. Nos équipes sont sur le territoire. On dit aux citoyens de ne pas tenter eux-mêmes là, de poser des gestes qui pourraient mettre leur propre vie en danger. Et s'il y a des situations d'urgence, de communiquer avec le 911 de façon à ce qu'on puisse intervenir. Monsieur Plante, merci beaucoup. Donc, on a compris, là, Simon, on demande vraiment aux citoyens de rester à la maison, finalement, d'être vigilants. Les prochaines heures aussi là, vont être quand même assez déterminantes ici. Et il y a certains endroits où la situation est plus grave qu'à d'autres. On peut penser, par exemple, au chemin de l'église et ça pourrait prendre encore quelques jours, là, peut-être même une semaine pour prendre le temps vraiment de bien réparer ces routes-là. Alors, on reste ici aujourd'hui pour continuer là, de surveiller la situation pour vous sur les ondes de DLCN toute l'avant-midi. Merci, Annick. On te retrouve un peu plus tard.